Ils sont 61 marins, ukrainiens, russes, indiens et africains à avoir reçu leur cadeau de Noël ce matin au Port-Est. Certains sont en mer depuis plus de 2 ans sans avoir mis un pied au sol, alors voir du monde leur fait du bien. C'est un plaisir pour nous parce que ça fait plus de 6 mois que je suis à bord du navire et à cause du Covid, on n'a pas le droit de sortir, donc c'est très cool. T-shirts, tote bag et letchi leur sont offerts par les Amis des Marins, soutenus par le Secours catholique. Cela fait plus de 18 ans que l'Association des Marins réitère l'expérience. Et aujourd'hui, vous avez apporté ce petit cadeau, comme le commandant a dit, que c'est la présence qui est importante. C'est la reconnaissance que voilà, grâce à ces marins, nous pouvons fêter nous à la Réunion dignement avec des petits cadeaux qu'on donne aux enfants, qu'on donne à la famille, qu'on partage à table ensemble, qu'on peut manger le riz. Mais vous pensez que c'est ces marins qui apportent à la Réunion. Le plus difficile est d'être loin des siens, mais on a choisi ce travail, donc on se sacrifie pour la famille. On est là pour travailler, sinon il n'y aura rien à manger sur les tables de nos familles. Je suis content d'avoir des litchis, c'est la première fois que j'en mange, c'est très sucré. La distribution de cadeaux se poursuit jusqu'au 1er janvier. Au total, ce sont plus de 500 marins qui seront plutôt bien gâtés.